Voilà, et il est là, donc, alors qu'on décroche, c'est pour le président du DAC qui ouvre la bourse, pour laisser les concurrents, il vient terminer. On l'applaudit bien fort pour la victoire, voilà. Sébastien Lachrès, qui renoue avec la victoire. 34, 10, 11, 12. 34, 12, 34, 13, on verra là. La paire des chronomètres tout à l'heure, pour la vérité. Chronométrique, mais belle course. Belle course, belle course, belle course. Je pense qu'il a fait un chrono meilleur que l'année où il avait, la dernière année où il avait gagné, parce que ça doit être du 35-30. Derrière, et bien on arrive avec le, voilà, le maillot vert. Voilà, et avec le dossard 530, et bien il sera deuxième, on retrouvera tout à l'heure au podium. C'est Clément Brasi. Le troisième, il est là. Allez, on va lui donner comme les clubs. Également. Voilà, c'est Nicolas Pertuis, dynamique avec club, et bien qui sera troisième. On va laisser arriver gentiment, mais puis je vous rappelle que l'arbitrage de temps, ça sera à l'intérieur dès l'arrivée des concurrents. Maintenant, ça, des concurrents du 10 km. On est à 35 minutes et 50 secondes de course, la bagarre. La bagarre, voilà, 580 stops, qui reste devant. Voilà, c'était Christophe Perrier.